Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, en tout cas à cette première conférence sur la narration interactive. Il y aura une deuxième conférence demain, dimanche, sur les architectures impossibles, donc je vous invite également à venir demain. Aujourd'hui, on va parler de narration interactive. Alors pour les personnes qui ont écouté l'émission de radio tout à l'heure, on va peut-être reparler de quelques éléments. Et pour parler de narration interactive, on a choisi un panel d'invités assez hétéroclite. Sans me tromper avec les heures de sommeil que j'ai derrière moi, ce qui est extrêmement fort. Des invités, alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est viril, puisque le hasard du calendrier et des réponses nous a apporté des hommes à la pilosité visible. Voilà, on s'en excuse, c'est le hasard, voilà, c'est comme ça, c'est les personnes qui nous ont répondu, et on les remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par présenter nos invités. Tout d'abord, Benjamin Dibli, je l'ai bien prononcé, bonjour. Bonjour. À côté de vous, à côté de vous, à votre gauche, nous avons Benjamin Herlin. Alors, juste pour vous dire un petit Guillaume, coup, mais voilà. Benjamin, c'était... Benjamin, non, Guillaume, pardon. Mais c'est pas grave. Juste ce que vous faites dans la vie. Alors, rapport à cette narration interactive. Voilà, par rapport à... je suis président de l'association Alice TV, donc, qui est une chaîne YouTube sur le jeu de rôle. Et vous êtes présent aujourd'hui et demain, pendant ce festival. Présent dans la grande salle, au fond, à gauche. Et donc, Benjamin, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Moi, je travaille dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle, donc deux endroits où il y a beaucoup de narration interactive. Et donc, nous avons à côté de Guillaume, et pas Benjamin, parce que je ne sais pas pourquoi je voudrais tous vous appeler Benjamin, nous avons Geoffrey Mano, alors je vous laisse... Mamo, pardon, excusez-moi. Il y a plein de M. Donc, je vous laisse vous présenter. Geoffrey Mamo, bonjour à tous. Je suis directeur général de la société Akara, qui est un studio de développement culturel. Et vous êtes également présent dans la grande salle, oui, pour présenter une application. Le premier stand que vous pouvez voir en entrant, qui est le stand de Harry, un guide touristique numérique qui discute avec vous. D'accord, merci. De l'autre côté, nous avons Vidu. Bonjour Vidu. Bonjour. C'est, alors là, je ne peux pas me tromper. Voilà. J'ai 4 lettres, il n'y a pas 15 M. est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis créateur d'univers numérique. Voilà, donc je crée des nouvelles formes de narration qui sont pensées sur les écrans, pour les écrans, et à destination des écrans. D'accord, et vous avez également un stand? Exactement, si vous voulez découvrir ce que c'est que la BD numérique et que je vous dessine un petit truc, c'est l'occasion de venir faire un coucou dans la salle principale là-bas, pour rentrer au festival. Et donc juste à côté de vous, nous avons Vincent, alors je ne veux pas écorcher le nom. Non, on ne l'écorche pas, Salin. Voilà. Est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, donc moi je suis développeur. Je travaille au pôle numérique d'un institut de recherche à l'université. Et puis sur mon temps libre, en dehors de ça, je développe des applications interactives et des jeux narratifs aussi, sur mobile. Textuel, essentiellement. Textuel, ouais. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La narration interactive, c'est quoi? Et comment, dans vos professions, dans vos hobbies, dans vos activités, pensez la narration interactive par rapport à une narration dite classique, c'est-à-dire non interactive, bref, le livre, quoi. Alors, qui se lance? Alors, je sais que c'est pas facile. Allez, on y va. Didi. Alors, bon, déjà, moi, je fais de la donc, BD numérique native, donc, c'est-à-dire que, ou nativement numérique en français. Donc, l'idée, c'est de se dire comment créer sur les écrans quelque chose qui ne peut pas être adapté en papier. Voilà. Ou alors qui, si ça devient du papier, doit avoir un travail d'adaptation, justement, pour que ce soit en papier. Et une des choses que le numérique nous permet et que le papier nous permet beaucoup plus difficilement, c'est donc l'interactivité. Donc c'est vrai que c'est une des premières choses qui vient en tête quand on pense à une BD différente sur ordinateur. Ça peut être aussi bien, basiquement, par des embranchements scénaristiques, des choix qu'on propose au lecteur, mais ça peut être aussi guidé par son parcours de lecture. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer que le lecteur avance dans la BD et que quand il revient en arrière, les cases ne soient pas les mêmes. Donc ça, c'est aussi une forme d'interactivité. On en parlait tout à l'heure, on peut très bien imaginer que quand le lecteur passe la souris sur un dessin ou une image, eh bien, le contenu en change. Donc on peut avoir un personnage qui a un discours de façade et quand on passerait la souris dessus, on aurait ses vraies pensées, par exemple, qui viendraient en jeu comme ça.
Et enfin, la troisième partie d'interactivité dans mon travail, c'est l'interactivité avec le public, c'est-à-dire que dans la BD numérique, on enlève tous les intermédiaires qu'il y a dans le circuit classique d'édition de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éditeur, il n'y a plus d'imprimeur, il n'y a plus de distributeur. Donc en fait, je suis en connexion directe avec mes lecteurs, ce qui me permet d'avoir beaucoup de réactivité. Et donc en fait, Elia Police Investigation que je présente là et la bande dessinée que j'avais fait sur Instagram, c'était des œuvres qui étaient publiées chaque semaine ou chaque jour, et en fait, l'épisode d'après était en fonction des votes et des choix que faisaient les lecteurs. Donc ça permet d'écrire comme ça quelque chose en direct avec les lecteurs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ah bah, c'est super moment. Moi, j'ai une question sur le côté interactif, et on en a un petit peu parlé, et je pense que ça reviendra aussi sur les autres intervenants. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a tous la même expérience? Est-ce que ce choix d'avoir tous la même expérience, c'est important? Ou de se dire finalement je fais des choix et à la fin c'est toujours Commissaire Moulin qui gagne. Dans les BD numériques que je crée, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup en termes de concept, qui est très différent en fait du jeu vidéo. C'est l'idée de se dire je vais publier un chapitre, les gens vont choisir la suite, et à partir du moment où ils ont choisi la suite, ça devient l'histoire canon en fait, ça devient la vraie histoire et ce qui se passe ensuite. Et contrairement aux jeux vidéo, on va pas pouvoir explorer tous les embranchements, on va pas pouvoir vérifier est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce qu'à chaque fois on rebranche sur le même truc et tout. Donc évidemment il y a un peu de popote interne et je sais où j'ai envie d'amener l'histoire. Après la façon dont on va, enfin voilà, comment on va y arriver et ce qu'on va y faire, ça c'est totalement en discussion avec les lecteurs, on va pouvoir s'adapter en direct et on va pouvoir... Tant que l'illusion existe, ça marche. Exactement. Alors du coup, je vais tout de suite embrayer à côté sur ce côté de narration par l'écrit. Le jeu vidéo ça a commencé comme ça, et c'est assez étonnant que finalement que ça revienne, des jeux purement textuels. D'où vient cette idée de repartir finalement au balbutiement de la narration dans le jeu vidéo, et pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors ce choix-là, en fait, c'est essentiellement une question de moyens, au tout début, parce que j'ai développé seul. Alors, je travaillais avec quelqu'un qui a écrit le scénario, mais pour le développement, j'étais seul, donc c'était une partie importante du choix. Et puis, j'ai été inspiré également par une série de jeux narratifs interactifs qui s'appelle Lifeline, qui est développé par un studio américain, et qui ont un peu, c'est eux qui ont remis un peu au goût du jour cette notion de livre dont vous êtes le héros au format numérique, et sur mobile notamment. Pourquoi ça marche? C'est-à-dire que, je ne sais pas pour les personnes qui sont ici, mais un jeu textuel, est-ce que vous pouvez décrire à quoi ça ressemble, un jeu narratif textuel? Un jeu narratif purement textuel, ça ressemble à une application de texto. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à une application de texto où on discuterait avec une ou plusieurs personnes, et où effectivement, par contre, au lieu d'écrire soi-même ses messages, on a des choix de dialogue, et on choisit un petit peu ce qu'on répond. Et en fonction de ce qu'on répond, on va se promener dans un arbre narratif, avec des conséquences ou pas. En général, il y a plusieurs fins, il y a des fins alternatives, ainsi de suite. Mais là, pour répondre à ta question initiale, en fait, par rapport à la différence entre la narration classique, on va dire... linéaire et la narration interactive, la différence fondamentale, c'est le choix, quoi. C'est-à-dire que quand on lit un bouquin ou quand on regarde un film au ciné qui n'est pas interactif, on est spectateur et voilà, on nous raconte une histoire. Là, dans la narration interactive, alors le choix peut prendre plein de formes différentes, mais la différence fondamentale, c'est ça, c'est que le joueur, du coup, peut décider dans une certaine manière où est-ce qu'il veut aller, même si c'est forcément toujours prévu en amont par le développeur ou le créateur qui est à l'origine de l'œuvre. Historiquement, avant le jeu vidéo narratif, on parlait de choix. Historiquement, c'est le jeu de rôle papier qui a imposé ce choix-là. Donc, ce qui va me permettre de faire la transition juste à côté pour notre invité. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu déjà ce que c'est que les rôlistes TV? Et puis, pourquoi avoir finalement choisi un truc ringard des années 80 pour en faire une chaîne YouTube? Alors, Rôlistes TV, c'est simplement une chaîne YouTube à la matière d'un magazine ou autre qui va critiquer, qui va présenter, qui va interviewer des auteurs de jeux de rôle. Donc nous, on fait juste la présentation. Maintenant, pourquoi être venu au jeu de rôle? Parce que tout simplement, j'ai jamais arrêté depuis les années 90, puisque 80, j'étais encore un peu trop jeune. Mais le jeu de rôle, d'ailleurs, revient énormément à la mode. Et on parlait de narration interactive. C'est pour moi
la forme première de narration interactive. Si on prenait la narration classique, et ben on aurait quelqu'un qui nous aurait fait un conte, c'est bien, mais le conte il devient totalement interactif si à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, et ben cette personne c'est vous en tant que joueur, et ben le conteur va devoir un peu se dépatouiller avec ce que vous lui dites et que quel endroit vous voulez aller, et ben là ça devient une réelle interaction. Et on parlait un petit peu d'embranchement, ben là c'est les embranchements imaginaires, donc on peut en créer là où au milieu textuel jeu vidéo on va devoir vraiment les travailler en avance. Là on a une grande part d'improvisation qui va nous laisser une liberté totale sur cette interaction. Donc la fin va être totalement unique pour ce groupe, elle va être même liée au maître de jeu, donc qui est le narrateur principal, un petit peu le metteur en scène du jeu de rôle. Et donc elle va être totalement liée aussi à l'identité propre du maître du jeu. Donc chaque maître du jeu va devoir s'approprier l'univers, va le décrire à sa façon, et en fonction des interactions des joueurs, on va aussi avoir une forme. Donc là, on est vraiment dans une narration unique qui sera liée à cette table de jeu. Donc voilà un petit peu sur la narration interactive. Après, je pense que Benjamin peut aussi en dire pas mal sur le jeu de rôle. Oui, on va en garder juste quelques-uns. Je voudrais juste passer le micro à notre invité à côté, parce que c'est une autre manière de penser l'interactivité. Dans le cadre de votre application, comment l'interactivité, elle est pensée et pourquoi faire ? Dans le cadre de notre application, l'interactivité, elle est omniprésente. Nous, un guide touristique numérique, normalement, lorsque l'on visite avec un guide conférencier, on peut lui poser des questions. Il ne fait pas que nous raconter l'histoire qu'il raconte à tous les groupes qui passent. On peut lui poser des questions, il peut, en fonction de nos goûts, plutôt axer les histoires qu'il raconte sur tel ou tel thème. Là, on a voulu que ce ne soit pas on a voulu que le numérique ait aussi cet attrait d'interactivité humaine. Wikipédia est un super bon format pour apprendre, mais c'est une encyclopédie. Ce n'est pas quelque chose qui est amené à faire visiter. Pour une visite, il faut qu'on puisse aller vers nos goûts. Et nous, notre interactivité déjà se choisit lorsque on va d'un lieu à l'autre et qu'on va plutôt vers des lieux, vers le port de Rouen ou vers des églises, des choses comme ça. Et une fois sur un lieu, là, on a une totale liberté pour nous déplacer dans l'histoire racontée du lieu. Lorsque on arrive, par exemple, au donjon de Rouen, et non pas à la tour Jeanne d'Arc, Harry commence à nous raconter l'histoire générale du lieu. Ben voilà, il a été construit en 1204 lorsque Rouen est devenue française. Pendant la guerre de Cent Ans, ça a été la capitale de France et d'Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un bunker allemand. Et ben là, vous allez pouvoir lui poser des questions sur ces trois points-là. Rouen devenue française, quoi. C'était quoi avant? C'était italien? C'était quoi? Pendant la Seconde Guerre mondiale, capitale de France d'Angleterre, comment ça? Raconte-moi. Et du coup, Harry va pouvoir vous répondre à toutes vos questions là-dessus. Alors, c'est comme le collègue, on ne peut pas directement écrire une question, véritablement un message, et Harry ne va pas détecter le message. On propose des choix. Voilà, on propose des choix, des choix, un panel plutôt large en général de choix. Pour se balader dans ce qui devient tout à coup un arbre visible. Voilà. Et une expérience touristique à part entière. En question de choix, Benjamin, là j'y viens, c'est quelque chose qui a dû tarauder ton travail pendant un certain temps. Quel choix je propose? Quelles conséquences de ce choix-là? Pourquoi ce choix-là et pas un autre? Est-ce que je les montre? Est-ce que je les montre pas? Enfin, en tout cas, je parle de la conséquence. Comment ça s'est passé tout ce travail-là? Alors en fait, faut se dire que des choix, on peut en mettre partout en fait. Hein. Tiens, je prends un verre d'eau ou un verre de jus d'orange. On peut en mettre partout dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle, etc. La vraie question en fait qu'on doit se poser en tant qu'auteur et créateur là-dessus, c'est quel est le choix que je veux proposer à mon spectateur ou à mon joueur. Et les seuls vrais bons choix, ce sont les dilemmes moraux en fait. C'est entre boire un verre d'eau ou un verre de jus d'orange, sauf s'il y a vraiment un poison, un enjeu, c'est inintéressant. Et par exemple, dans Bandersnatch, qui est Black Mirror sur Netflix, il y a le choix des céréales au début, qui est presque un pied de nez, qui est
Effectivement, le choix il est inintéressant au début. Après, les choix vont devenir un poil plus intéressant, pas beaucoup. Mais en fait, voilà, nous, les vraies questions qu'on se pose, c'est est-ce que ce choix, il a déjà deux conséquences minimum intéressantes? Et si oui, comment on peut proposer ce choix? Et dans le jeu de rôle, il y a un peu la même question, c'est-à-dire que dans les années 70-80, à cause de l'héritage du jeu de société, la question qu'on posait aux joueurs, c'était est-ce que tu vas réussir ou échouer, qui est une très mauvaise question pour moi, qui est est-ce que tu vas réussir à traverser le donjon et tuer le monstre, ou échouer, et donc mourir, ou t'enfuir. Et petit à petit, on a commencé à réfléchir des narrations. Et les questions sont devenues, donc, notamment avec l'appel d'Octoulou, la question était quelles vont être les conséquences du fait que tu vas réussir à tuer ou à repousser le grand ancien? Quelles vont être les conséquences sur ton personnage, sur l'environnement, sur ta vie au quotidien? Et petit à petit, en fait, donc en 30-40 ans de jeu de rôle, les questions sont devenues beaucoup plus pertinentes et les dilemmes sont devenus intéressants. C'est plus une question de réussite ou d'échec, mais c'est devenu des conséquences. Ok, si tu arrives à arrêter le vilain, c'est super, mais c'est quoi les conséquences? Est-ce que tu le tues? Est-ce que tu le mets en prison? Si tu le tues, toi, comment tu vas vivre au quotidien? Est-ce que tu es devenu ce que tu combattais? Qui est une vraie question de super-héros à la Batman. Je déteste les vilains, moi. De toute façon, je les tue toujours. Ça, c'est intéressant. Moi, je les joue toujours. je sais bien. Et donc, c'est, en fait, c'est ça, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que la question qu'on pose et le choix qu'on pose aux spectateurs ou aux joueurs à ma table de jeu de rôle, quels sont les vrais choix que je leur pose? Parce que si c'est est-ce que tu vas réussir ou est-ce que tu vas échouer, c'est, à mes yeux, une mauvaise interaction. Après, il y a des... je pense à Last of Us, qui est un très bon jeu, mais qui n'est pas interactif. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule fin, il n'y a qu'un seul début. Il y a une manière ou une autre de gérer les opponents, mais c'est pas une œuvre interactive. Non, c'est un grand couloir, un très beau couloir. C'est un joli train fantôme. Mais voilà, c'est un joli train. Oui. Mais du coup, l'histoire qu'on raconte sera différente entre chaque personne qui y joue, même si en fait le fil narratif est le même. Mais peut-être qu'il y en a un qui a fait le jeu toujours en étant en marche arrière et en évitant tous les zombies ou ainsi de suite. Voilà, où est-ce qu'on met l'interactivité? Est-ce que l'interactivité, c'est forcément changer le fil narratif principal de la chose? Alors, moi, c'est une super question en plus, et c'est le cœur vraiment je pense, de cette table ronde. C'est que le Last of Us, moi j'avais joué à un moment, il y a une scène qui est affreuse. Alors, juste pour information, hein, Last of Us, c'est un jeu de survie où deux personnages vont devoir partir d'un point A, pour faire très court, aller à un point B, et effectivement, ils vont rencontrer différents personnages et faire une manière de jouer qui va être différente d'un joueur à l'autre. Par contre, effectivement, l'histoire sera toujours les mêmes et les chapitres seront toujours les mêmes. C'est ça, on est dans un monde post-apo et il y a un papa qui... il y a une personne, un adulte qui doit livrer une petite fille à un endroit. Voilà. C'est l'histoire. Et je me rappelle, à un moment, je traverse un décor, donc il y a une maison complètement abandonnée, et il y a des munitions, et en fait, on peut juste ramasser les munitions et sortir. Et je me rappelle, j'ai visité le décor, et dans la narration environnementale, il y avait un couple qui s'était... C'est affreux, qui s'est suicidé dans sa baignoire ou dans le lit, je ne me rappelle plus. Et c'était extrêmement triste, et il y avait un mot à côté, et j'ai fait « waouh », et ça m'a marqué. Pendant que j'étais en train de jouer, j'arrêtais pas de penser à cette famille. Et en fait, n'importe qui peut décider de juste de prendre les munitions et partir, mais le fait de s'intéresser à l'environnement fait que moi, je vais vivre une histoire, entre guillemets, unique, comparée à quelqu'un qui va prendre des munitions ou qui va faire les deux. Et donc, effectivement, à partir du moment où on est actif, pour moi, on est dans une œuvre interactive. À partir du moment où on est actif, c'est-à-dire qu'on a une manette dans les mains. Contrairement à un film où le film qu'on te raconte, sauf si tu t'es endormi, c'est le même pour tout le monde, quoi. Oui, alors je vais laisser, alors évidemment on parle de narration interactive, vous inquiétez pas, je vous donnerai le micro juste après. Oui, une question. Oui, je suis désolé, ouais. J'ai rebondi, je carjack totalement. Complètement, faire la table ronde, c'est parti. Non, juste sur la notion d'interactivité dans le jeu vidéo, je ne saurais que trop vous conseiller Stanley Parable. Qui justement interroge ça et questionne ça et jusqu'à en fait pour montrer qu'il n'y a aucune liberté dans le jeu vidéo et qu'en fait tout n'est que simulation de liberté, ce qui au contraire met en valeur énormément le jeu de rôle, où le jeu de rôle là pour le coup, le jeu vidéo et tous les autres types de narration interactive ont beau essayer, ils n'arriveront jamais à la cheville du jeu de rôle parce que le jeu de rôle
le joueur peut dire « Non, mais j'ai pas envie de faire ce que tu me proposes là, je vais aller cueillir des fraises à côté et ce sera très bien. » Bref, donc Stanley Parable, ou même quand on arrive à trouver un glitch dans le décor, tout ça, il te dit « Bon, bah, ok, t'es heureux, t'as trouvé un glitch, mais qu'est-ce que tu crois? J'avais prévu, je le savais, tout ça. » Du coup, j'ai deux questions qui vont monter là-dessus. Une qui me taraude depuis le début, c'est on parle de choix. C'est-à-dire souvent, voilà, alors ça peut être chemin droite, chemin gauche, aller à droite, pas tuer ou être mort, mais est-ce que pour vous, c'est important que le choix soit visible dès le départ? C'est-à-dire qu'on sent très bien que soit on va aider la personne et on est quelqu'un de bien, soit on va la laisser crever et on n'est pas quelqu'un de bien. Est-ce que pour vous, le fait que les choix, parce que tout à l'heure on parlait de choix moraux, est-ce que ça ne peut que être ça, des choix importants, ou alors il faut que les choix soient ambigus? Alors je vais donner une illustration, j'avais dit que je le placerais à ce moment-là. Un grand jeu de rôle qui s'appelle The Witcher propose des choix, par exemple, on va aider ou pas un villageois, sans c'est maquiller toujours de manière à ne pas savoir qu'est-ce que ça va entraîner. Si on le sauve, peut-être que ce villageois, on va le retrouver trois villages plus loin et il va tuer des personnes, plusieurs personnes. Finalement, on a sauvé un et on en a massacré trois. Est-ce que pour vous, ce type de choix-là, c'est très compliqué à mettre en place, ça demande un gros boulot, etc. et c'est indispensable, ou finalement, avoir un choix binaire, c'est pas très grave, parce que c'est aussi mettre le joueur en position de choisir s'il veut faire le bien ou le mal? Bah moi, je trouve que ce genre de choix, c'est vachement intéressant. Je te rejoins un petit peu, je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de... Il n'y a que les choix moraux qui valent le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est bien évidemment ceux dont la portée est la plus évidente, donc on met vraiment le joueur face à sa conscience, donc ça c'est intéressant de le mettre dans cette position-là. Après, qu'il fasse des choix anodins, et puis qu'il envoie les conséquences plus tard en se disant « bah tiens, moi je fais partie d'une bonne action, je voulais le sauver, puis finalement en fait c'est un meurtrier », je trouve ça autant intéressant en fait. Il y a un jeu de rôle qui est sorti récemment, qui s'appelle Disco Elysium, qui est un jeu d'enquête, en gros c'est un polar, qui est un jeu très bien foutu. Alors si vous voulez le faire, je vous conseille d'attendre peut-être encore un petit peu qu'il sorte en français, ça devrait arriver dans le courant de l'année. Parce que la version anglaise, c'est très bien écrit, mais c'est vraiment ardu, quoi. Il faut s'accrocher. C'est super intéressant. Dès le début du jeu, on se retrouve, donc le mec, c'est un peu un paumé, quoi. Il est à poil dans sa chambre d'hôtel, et il est la gueule de bois, déjà, il faut retrouver ses fringues. Donc là, il y a un petit spoiler, quand même. S'il met sa cravate, ou s'il la met pas, ça a des conséquences super importantes sur la suite du jeu. Mais c'est pas un choix, là, tel qu'il est présenté, qui paraît important. Oui, on est sur du choix de boîte de céréales. Ouais, on est sur le jus d'orange et de verre d'eau, effectivement, ça paraît pas important. Moi, je trouve ça intéressant, parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, enfin, des gens qui ont fait le même jeu et qui vont en parler ensemble, vont pas du tout avoir la même expérience, et je trouve que ça, ouais, c'est plutôt chouette. Je pense que c'est les petits choix comme ça sont aussi intéressants. Par exemple, je reprends Witcher, l'exemple que tu donnais. C'est ultra utile pour raconter le monde. Et en fait, ça dépend de l'univers que tu as envie de raconter. C'est-à-dire que dans Witcher, la thématique de ce choix, c'est parfois sauver quelqu'un, ça a des conséquences néfastes, et parfois il faut laisser mourir les gens. Et c'est ce que l'univers veut te dire. C'est un univers dur, froid, médiéval, et donc c'est intéressant de faire comprendre ça aux joueurs. Alors que si tu es dans un monde qui est entre guillemets manichéen, et que tu as envie de raconter ça, si tu te retrouves à proposer ce choix et à mentir au spectateur, d'un seul coup tu le trahis. Et le trahir dans un univers qui est rempli de trahison, c'est intéressant. Le trahir dans un univers où la trahison n'est pas une des thématiques, c'est dommage. Moi, Disco Elysium est un super exemple en termes de mini-choix qui ont des grosses conséquences. Il y en a d'autres. C'est juste que là, c'est pas est-ce que tu réussis à t'habiller ou pas, parce qu'au final, ça ne nous intéresse pas. Mais comment tu vas t'habiller, ça raconte aussi quel personnage tu es. Et je pense que ça, c'est un choix intéressant. Après, évidemment, il ne faut pas mettre des choix moraux tout le temps, parce que c'est fatigant. Il faut mettre des petits choix. Je repense à Détroit, à un moment où tu dois choisir ta coupe de cheveux, quoi. Mais c'est pas, ça n'a aucune conséquence à part de l'esthétique. Et au-delà du moment du choix, je pense que dans toutes les notions de savoir si le choix est volontaire ou un peu masqué et moral ou peut paraître anodin, il y a aussi la grosse notion de la surprise pour le joueur. C'est au final, c'est vrai que la cravate, on peut se dire
c'est un choix anodin. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences. On est surpris par les conséquences et on va remonter pour savoir que le choix revenait au moment de la cravate. Ça peut tout aussi être bien de dire au moment de la cravate un petit quelque chose qui nous dit là c'est un choix crucial dans le moment scénaristique. Au final, si on prend le cas de The Witcher, on aurait pu l'avoir dans le personnage, dire ça c'est un choix crucial pour l'histoire. Au final, on ne sait pas si c'est crucial parce qu'on va le retrouver un peu plus tard et il va sauver des gens, ou on va le retrouver plus tard et il va en tuer, ou quelle est l'implication. Et au final, c'est la surprise qui crée le jeu. Ah ouais, j'avoue, dans des situations de stress, à ne pas savoir si je mets une armure ou un truc un peu classe quand je rentre dans un château, parce que je ne sais pas si on va me regarder de travers ou finalement si on va m'accepter. La chose, c'est que dans le jeu vidéo, il y a des couleurs narratives qui sont déjà préétablies en fait. Et je trouve que le souci que ça peut soulever ça, c'est que quand on a envie de faire le jeu, donc on va avoir comme objectif d'atteindre le résultat d'un couloir narratif, et ça peut très vite tourner à la liste de courses de « alors je fais le jeu, mais j'ai toujours la LED sous les yeux, ok, alors là, il fallait que je prenne la cravate, machin et tout, ou alors j'ai joué avec telle incarnation du personnage, et en fait, je me retrouve à ne pas réussir à atteindre l'arc narratif qui correspond à la façon dont j'ai joué, parce que, tiens, à tel personnage, au lieu de lui serrer la main, je lui ai fait la bise, ou des choses comme ça. » Souvent, c'est ce genre de choses-là qui me frustre beaucoup dans le jeu vidéo, qui, voilà, est un peu moins présent dans le jeu de rôle. C'est pour ça qu'avoir une vague connaissance du choix qu'on est en train de faire est intéressant pour proposer l'histoire que les gens ont envie de vivre. Donc la cravate, c'est un super exemple. On joue un peu avec la personne, il vient de se réveiller, est-ce qu'il met la cravate ou pas, est-ce que c'est un détail important pour cette personne. Normalement, de manière un peu presque simiesque, on va se dire les gens qui mettent la cravate, c'est important pour eux, donc ils vont vivre l'histoire qui correspond à ça, ou pas. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien, en tout cas surtout dans le jeu de rôle, pas exposer les conséquences, mais c'est toujours mieux quand le choix il est clair. Non pas les conséquences, parce que c'est ça qui est excitant, c'est de découvrir les conséquences. Mais si le choix est clair, il n'y a pas de « ah ah, je t'ai eu », sauf si c'est l'effet que tu veux, mais ça s'appelle un deus ex machina, et en écriture, c'est très pauvre, en fait. Je te rejoins sur ce que tu dis. Il faut que... Enfin, c'est toujours un dilemme, en fait, de dire aux joueurs « attention, là, c'est un choix important ». Enfin, moi je trouve que ça casse au cassette-péré en fait. Non, mais oui, c'est ça fait parce que, effectivement, souvent dans la plupart, à exception de fait, on les voit venir. Oui. On sent que si on sauve la petite fille ou le père de famille, ouais, mais là, on va pas avoir la même chose. Il y a une grande série, vous en avez pas parlé, mais ça a énormément popularisé le jeu à choix, qui est la série The Walking Dead de Telltale. The Walking Dead, pardon. De Telltale. Que je désapprouve, enfin voilà, après voilà, on en pense qu'on en pense, mais ça a très, enfin, vraiment popularisé ce jeu narratif, il a lancé toute une mode, et on les voyait venir à 4 km quoi, les choix qu'on s'en fout, et puis des choix où il y avait des gens, où on, voilà, clairement on savait si on sauvait la personne, que ça allait avoir des conséquences. Mais les choix, tu vois, comme tu dis, qui paraissent anodins, quand ils le sont pas, en réalité, c'est un dilemme, je trouve, de dire, est-ce qu'on doit l'indiquer au joueur ou pas. Moi je trouve que ça pète un peu la narration, quoi. Ça pète un peu l'immersion, je trouve ça dommage, mais c'est un choix compliqué, quoi, de le dire ou pas. On est en 2020, j'essaie de me rattraper, vous en tant que créateur, auteur, contributeur et autres, vous savez maintenant, on sait, combien de joueurs ont fait tel choix. Ça se sait, je pense que quand on a un site internet, vous savez qu'il y a 1000 joueurs qui ont cliqué plutôt ça, plutôt qu'autre chose. Dans certains jeux, c'est même indiqué. Je pense à Life is Strange, où à la fin de son expérience, on sait qu'il y a tant de pourcentages qui ont laissé, qui ont ouvert la porte, pas ouvert la porte, ralenti, etc. Est-ce que ces données-là, ça vous sert à vous dire j'ai pas fait les bons, ou c'était trop évident, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez, les big data? Alors, c'est des choses, je pense, sur lesquelles il faut s'appuyer. Moi, dans mon cas personnel, dans Sommelier, je parle de surveillance, et du coup, j'ai pas de métrique, parce que j'ai pas mis ça en place. Et puis, c'est un jeu qu'on peut jouer
en mode avion. Quoi. Il y a pas de, tout est offline. Il n'y a pas de data à récupérer. Il n'y a pas de data, je pourrais, quoi, mais ouais, je pense que ça peut être super intéressant parce que quand on... Écrire une histoire en branchement, bah, c'est vachement plus de boulot que d'écrire une histoire linéaire parce qu'il faut prévoir tout un tas d'arcs, de scénarios alternatifs, ainsi de suite. Du coup, si on se rend compte que, je sais pas, on a des gros pans de l'histoire qui ne sont pas du tout explorés parce que le choix qui est à l'origine de cet embranchement, il est présenté de manière à ce que les gens... Manichéen. Ouais. Là, c'est problématique. Je pense qu'idéalement, il faut qu'à peu près toutes les branches narratives soient explorées de manière égale. Quoi. Ouais, je pense que c'est assez bien. Je rebondis. Nous, on a une phase de QA, donc de test, où on teste justement pour voir si tous les embranchements sont testés. Et on avait un des choix qui était testé à 0,1%. Et en fait, ce choix, on s'est demandé si on le gardait. 0,1%. 0,1%. Et on l'avait même pas signé. En gros, il y avait une personne sur 1000. Quoi. Et on s'est dit, est-ce qu'on le garde ou pas? Surtout qu'on n'avait pas fini de le filmer. Il y avait un morceau qui n'était pas tourné. Ben, bref. Et on a voulu le garder. Parce que le sentiment d'arriver à un embranchement petit, unique, personnalisé, qui dépend vraiment de petits choix, fait que on s'approprie vraiment l'histoire. Mais si le choix mais par contre, on a eu de nouveau cette même problématique, où cette fois-ci, on a enlevé ce morceau. Donc en fait, je pense que ça dépend du moment de la narration, qu'on en revient toujours, c'est quoi les thématiques, c'est quoi la narration, est-ce que ce moment, qui est vu que par un millième des gens, est-ce qu'il raconte le truc ? Est-ce qu'il vaut le coup ? Est-ce qu'il est dans les thématiques ? Nous, il y a un moment où il y avait une scène qui n'était pas tout à fait dans les thématiques, vue par un millième de personnes, on l'enlève. L'autre, elle l'était, tu sais quoi, c'est marrant parce que ça fait des easter eggs, en fait, des zones cachées, un peu secrètes. Voilà. Je pense que ça dépend. Et oui, on a du QA, on a des stats qui nous aident pour comprendre avant la sortie du jeu. Avant la sortie du jeu. Geoffrey, juste dans un cas réaliste, est-ce que, pareil, pour vous, vous avez un retour sur ce que les gens ont envie vraiment de savoir pourquoi tel bâtiment a brûlé ou telle personne est arrivée, et puis des choix que non, tout le monde s'en fout. Ah, les bâtiments qui brûlent, ils adorent. ça plaît toujours, le feu. Ça, normalement, vous devez le savoir aussi. Alors, on essaie de faire attention à ça, parce que on est vraiment très sensible aux questions de surveillance et des choses comme ça. Et nous, on n'aime pas vraiment fliquer nos utilisateurs. Alors que franchement, on aurait vraiment toutes les technos qui le permettraient, entre le GPS et des choses comme ça. Mais non, on y fait très attention. Nous, en général, en fait, on vérifie beaucoup les réussites, le nombre de clics, sur les différentes questions que les utilisateurs peuvent poser à Harry lorsque on vient d'intégrer un nouveau lieu. Là, par exemple, on va avoir Lettre Saint-Maclou qui arrive en avril en partenariat avec la Métropole. Il y a plein d'expériences sur ce lieu-là. Et nous, on va faire en plus une conversation avec Harry pour parler de l'histoire de Lettre et de c'est quoi une danse macabre, pourquoi on fait danser des gens avec les morts. Nous, en fait, dans ce modèle, lorsque la conversation va arriver, pendant quelques mois, on va vérifier les nombres de clics sur les différentes questions. On va réfléchir à okay, bah pourquoi cette question-là elle est vraiment un peu cliquée. L'avantage, c'est qu'en histoire, c'est très simple de repérer les sujets qui n'intéressent absolument personne. Mais par contre, lorsque on retire une question, on se rend compte que tout à coup, les autres questions possibles n'ont pas du tout la même réussite. Parce qu'en fin de compte, en se rendant compte d'un panel de choix, l'utilisateur, il va se dire « Oh, bah moi, l'histoire de la maison qui brûle m'intéresse plus. » Mais par contre, s'il n'y avait pas l'histoire du petit chien abandonné, bah, la maison qui brûle ne l'intéressait peut-être pas et c'était plutôt la construction de la tour qui l'intéressait plus. J'imagine que les questions de stats et de choix sur la BD interactive, ça doit avoir une importance. Par rapport à ce que je fais en BD interactive, ça se rapproche assez du jeu de rôle. Ouais. Parce que vraiment, je suis maître de jeu, je propose des choix aux lecteurs et les lecteurs me répondent en direct. Et en fait, la suite dépend directement. Et alors, je fais des blocs narratifs à l'avance parce que je ne peux pas dessiner aussi vite. Mais malgré tout, la suite dépend beaucoup de leur réaction. Et donc, en fait, c'est du direct. C'est-à-dire que je lance mon choix. Si ce choix-là, j'ai du 90-10, c'est que je me suis planté, quoi.
Je suis la pire personne du monde. Si j'ai du 50-50, c'est un chef-d'œuvre, c'est génial. Ça veut dire que les gens, ils sont tiraillés, ils savent pas. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est créer des espaces de débat, c'est créer des espaces de rencontres. C'est que dans les commentaires, ça se chamaille. C'est que, voilà, j'ai des modérateurs qui sont à fond pour relancer les débats, poser des questions. Ouais, t'es sûr que, machin et tout. Donc, ouais, c'est plus ça, c'est plus. Mais c'est plus du jugement a posteriori, comme ça, de me dire, bon. Ok, cet épisode il est foiré parce que bah, tout le monde a choisi la même réponse et que donc ma question n'était pas pertinente. Là on peut se poser la question pourquoi c'était pas pertinent et tout. Mais après j'ai pas particulièrement de data ou de choses ouais. comme ça vu que je suis plus en direct. Alors une dernière question avant de laisser la parole à nos spectateurs. Dans l'univers de la narration interactive, on a oublié un grand pan qui sont tous ces jeux à monde ouvert. Dans lequel, alors on a des jeux à monde ouvert comme The Witcher où il y a plein de missions, mais on a aussi des jeux à monde ouvert où on a un décor. Je pense principalement à Zelda Breath of the Wild qui a offert un monde et les gens se créent leurs histoires. Alors il y avait Minecraft qui a permis ça aussi avant. Comment vous voyez ça, vous, en tant que narration? Parce que les gens se créent leurs histoires, parce qu'ils voient une montagne, ils montent au-dessus, c'est ça leur histoire. Et c'est ça cet échange aussi entre joueurs en disant bah, « moi je suis monté là et je me suis construit mon histoire dans ce monde-là ». Comment vous abordez ces narrations par le décor, par ce qui se passe? Alors c'est pas exactement la même chose qu'avec une histoire dans le décor, comme dans The Last of Us, parce que finalement on peut passer à côté. Et c'est pas très grave, parce que de toute façon l'histoire continue. Là, bah, y a pas vraiment d'histoire, l'histoire on va se la créer au fur et à mesure des choix qu'on va faire, de l'équipement qu'on va trouver, etc. Alors moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ce que tu décris là, la narration émergente. J'ai pas osé le terme. Écoute, la prochaine fois lance-toi, tu vas voir, c'est... Non, c'est vraiment chouette quoi. Donc, tu parles de... T'as cité certains jeux, mais en fait, sur les Battle Royale, ça fonctionne aussi. Donc Battle Royale, c'est 100 personnes qui sont lâchées sur une carte en parachute en général. Faut dire, c'est Fortnite. Alors Fortnite, si ça parle à le public, ouais, voilà. Et à la fin, il ne peut en rester qu'un, en gros. Et on est lâché sur une map, il faut, voilà, faut survivre. Y a ça, mais en fait, il y a plein de jeux. Alors, il y a des jeux indés, il y a Faster Than Light, qui est juste brillant de ce point de vue-là. Bah, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais c'est clairement ça, c'est-à-dire l'expérience de jeu. Alors, en général, dans le cas de Faster Than Light, la narration émergente, ça marche vachement bien avec le procédural, c'est-à-dire le fait que, en gros, le jeu il est construit un petit peu de manière aléatoire, automatiquement. C'est-à-dire que du coup, quand on lance deux parties, on ne peut pas avoir de toute façon deux parties identiques parce que les niveaux, le level design, voilà, il est généré par un algorithme. Donc déjà, il n'y a jamais deux histoires pareilles. Et ensuite, si on rajoute par-dessus ça quelques choix, donc c'est le cas dans Faster Than Light, quelques choix qui nous donnent de la narration avec des choix moraux. On vit vraiment à chaque fois des aventures différentes. C'est comme les échecs, on joue jamais deux fois la même partie. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on n'a pas besoin de raconter des choses. Et en fait, c'est vachement plus fort de se dire, tiens, j'ai vécu un truc. Moi, je me rappelle de parties que j'ai jouées tout seul chez moi à 1h du mat il y a 4 ans, quoi. Parce que, en fait, c'était vraiment épique ce que j'ai vécu tout seul devant le PC. Parce que grâce à ce pouvoir-là, de dire effectivement, on a l'impression de vivre un truc, même si on est tout seul, même si on ne nous raconte pas vraiment une histoire, parce que voilà, à un moment donné, il se passe quelque chose dans la partie qu'on est en train de jouer. J'avais ce même ressenti quand j'ai escaladé cette montagne, où je me suis vraiment posé cette question-là. C'est-à-dire, j'ai escaladé une montagne, il y avait du vent, et c'est tout. Et je me suis senti comme si j'avais franchi un truc incroyable. Il n'y avait aucun ennemi, il n'y avait rien à faire. Je crois que le cœur de mon travail, c'est prendre un médium à chaque fois et essayer de définir les caractéristiques même, les précises de ce médium et qu'est-ce qui peut être fait juste avec ce médium et pas avec le reste. Et je trouve que quand on parle d'interactivité dans le jeu vidéo, d'un point de vue extérieur, on se limite beaucoup trop à l'interactivité dans le dialogue, dans le choix des dialogues, qui est pour moi 5% de ce qui est l'acte de faire du jeu vidéo en fait. Et on en parlait un petit peu avant la conférence, mais en fonction de là où tu regardes dans un jeu vidéo, en fonction de vers là où tu marches, en fait, ça c'est des choses qui a priori m'intéressent beaucoup et où là on même ce serait des choses qu'on pourrait pas lire un guide sur internet en disant
ok, alors là, à 3 secondes, faut que tu regardes à droite, et puis à 4 secondes, faut que tu marches de 3 pas en avant, ou des choses comme ça. Alors après, je sais pas quel degré de complexité ça représente en termes de développement, mais c'est vrai que, par exemple, le jeu vidéo, dont les composantes, c'est par exemple se déplacer dans un espace 3D, l'interactivité devrait être aussi à travers ce déplacement dans le truc 3D et ainsi de suite. C'est ce qui a fait le succès de Minecraft. Hein. Genre, on a peu parlé, mais si Minecraft a été un succès planétaire comme rarement un jeu l'a pu l'être, c'est peut-être grâce aussi à ce fameux gameplay, enfin la narration immersive. Ce qui est intéressant dans les mondes ouverts, en fait, c'est exactement ce que vous parliez, c'est l'interaction, elle se fait par où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, est-ce qu'en arrivant dans un village, je vais dans la tour isolée à côté qui m'intrigue, ou je vais directement voir le chef du village, et c'est l'histoire que je vais vivre. Parce qu'en fait, pour comprendre les trois grosses structures de narration interactive, il y a effectivement, il y a la linéaire dans Last of Us, qui reste interactive parce qu'on joue. Il y a en termes d'arbres, des embranchements, comme il peut y avoir dans Life is Strange, ou dans Détroit, ou dans Heavy Rain. Et après, il y a ce qu'on appelle les bacs à sable, ou les sandbox, qui sont les mondes ouverts, où on est dans un bac à sable et on va où on veut. Et moi, je trouve ça fascinant aussi, ce qu'on appelle les sandbox. Et ils ont, malheureusement, pour des questions techniques, à l'heure actuelle, en jeu vidéo, je trouve qu'il y a une limitation assez rapide en termes de proposition narrative. C'est pour ça que, pour l'instant, je trouve, les meilleures histoires sont racontées dans le système d'embranchement en arbre. Mais j'ai extrêmement hâte qu'on arrive à autre chose. Et c'est pour ça que dans le jeu de rôle, d'ailleurs, qui n'y a aucune limitation technique, il y a des histoires absolument incroyables dans des bacs à sable. Et je faisais la transition. Non, mais effectivement... Non, mais merci, je vais m'en aller. L'histoire de monde ouvert, au final, c'est ça le jeu de rôle, puisque le manuel du livre du jeu de rôle, c'est ça vous décrit un monde, et vous en avez... C'est ce monde ouvert, vous en faites ce que vous voulez. Certes, il peut y avoir des histoires officielles et rédigées, etc., mais au final, c'est l'histoire que vous allez avoir envie d'écrire. Alors, il y a toujours des petits arcs narratifs, on comprend bien qu'il y a des enjeux, mais au final, on ne fait que décrire parfois un personnage, parfois un lieu, et à vous de vous y rendre ou pas, au final, et de l'exploiter ou pas. Et tu parlais des bacs à sable, c'est aussi une vision, on voit que même le jeu de rôle, qui est pourtant dans des années 70-80, évolue aussi, et ces fameux bacs à sable, on les voit de plus en plus, là où les scénarios proposés étaient de plus en plus très linéaires au début. Maintenant, on a des jeux qui proposent des vrais bacs à sable, où c'est sur un livret, où on décrit un monde, on décrit les 20 personnages qui sont dans le village, et c'est tout, il n'y a pas d'histoire réelle, c'est en fonction de qui vous allez aller voir, de qui vous allez comprendre les interactions entre les personnages, et ça aussi, ça se développe de plus en plus, cet univers, même si dans le jeu de rôle, on dit qu'il est pourtant le plus libre, et ben on laisse encore une liberté, encore parfois un petit peu plus grande. C'est assez marrant, j'avais fait un scénario d'un jeu de rôle qui s'appelle Crime il y a 12 ans, et j'avais dans le bouquin, il y a deux propositions de fin complètement différentes, une version très fantastique et une version très réaliste. Et je me rappelle à l'époque avec l'éditeur, il fallait en discuter, il me disait mais non, tu peux pas faire deux propositions complètement différentes et laisser le réalisateur, le metteur en scène, le maître de jeu choisir. Et là, donc, pour un scénario d'un jeu de rôle qui s'appelle Dragon, j'ai fait littéralement trois fins différentes avec des conséquences complètement différentes tout au long de l'histoire. Et il n'y a même pas eu à en parler avec l'éditeur, ce qui veut dire que ça change, les mœurs changent. Et en fait, je pense que là, les 10 dernières années, la narration interactive, elle a pris un gap incroyable. De toute façon, pour voir un épisode interactif sur Netflix, ça veut dire que ça a bien changé. Hein. Le truc avec les mondes ouverts, c'est que souvent, ça, quand c'est... pas totalement bien géré, ou en tout cas quand ils veulent y ajouter une couche narrative forte, ça a tendance à pointer du doigt encore plus le fait que t'es dans un jeu vidéo, on veut te forcer à... Enfin, j'avais la série Assassin's Creed, oui, exactement. C'est-à-dire que effectivement, quasiment les premiers à avoir lancé des grands mondes ouverts avec énormément de moyens historiques, et pourtant, voilà, etc. Et finalement, on se retrouve d'aller d'un point B, sans aucun moment on se sent impliqué dans quoi que ce soit, puisque... on est rempli de tâches à faire, enfin, c'est des listes de courses auxquelles il faut... J'ai essayé de donner une chance à Origins récemment, et le premier truc qui arrive, ils me disent oui... L'Égypte. Le forgeron s'est fait piquer ses outils par un garde, allez vas-y, faut que tu ailles buter le garde et récupérer les outils. Et moi j'étais comme ça, putain mais non, je pourrais, je sais pas, discréditer le garde ou récupérer les outils l'air de rien et les ramener, tu vois.
Voilà. Et Londres, je dois buter le garde. Et ben alors bon, c'est un truc d'assassin, d'accord, mais il y a peut-être. Enfin, j'imagine que si je bute le garde, le forgeron, il va s'en prendre plein la tronche. Si en plus il y a ses outils qui disparaissent, enfin, je sais pas. Donc ouais, c'est ça rend hyper frustrant le truc parce que tu dis bon, ok, j'ai un monde énorme, mais en fait déjà souvent on te dit attends, mais tu restes dans la première ville, tu fais d'abord toutes les quêtes et ensuite tu peux aller dans la seconde. Donc voilà, c'est vrai que le Zelda était vraiment pas mal dans ce côté-là où bah, dès le début tu peux aller voir Ganon, te faire défoncer la tronche, mais bon, tu peux y aller, après à toi de te construire ton... Ah, ils ont, sur Origins, oui, c'est encore très linéaire, sur Odyssey, ils ont tenté. Ils ont vraiment tenté de laisser des choix, ne serait-ce que guerre entre Sparte et Athènes, donc intéressant de pouvoir choisir entre les deux, des choses comme ça. Mais en fonction de si on avait tué un tel ou si on allait sauver son frère et tout ça, les différents scénarios sont tellement buggés et il y a des personnages qui apparaissent qui en fait tu aurais dû voir si tu avais fait un autre choix récemment, qu'au final mieux valait Origins avec la voie linéaire, quoi. Alors je pense qu'effectivement les jeux, après c'est aussi une question de public, puisque on l'a évoqué, avoir des grands choix, ou les jeux de rôle ça parle pas à tout le monde en France, et je suis pas sûr que ce soit les premiers jeux à se vendre, je pense pas sûr encore que ce soit une activité qui est extrêmement répandue, et que avoir un choix bien déterminé c'est bien aussi, et que ça séduit aussi un public, c'est peut-être pour ça finalement que quand on est un gros studio, on se dit bon, maintenant il faut qu'on leur dise des trucs à faire parce que sinon, sinon ils vont pas y jouer, quoi. Mais enfin, juste pour revenir juste sur un petit truc, mais par exemple, je trouve que Deus Ex, Human Revolution, était hyper interactif parce qu'en fait, le choix moral qu'il propose, c'est est-ce que tu veux être létal ou pas létal. En fait, ça, c'est une forme d'interactivité. Et bah, si tu as envie de tuer personne, ça correspond à un choix moral. Et en fait, ça va te compliquer la tâche et tu vas te faire chier comme pas possible. Mais par contre, tu peux le faire et c'est machin. Et ça, je trouve ça beaucoup plus interactif que. Enfin, beaucoup plus en lien avec la forme vidéoludique que. Parfois des choix de dialogue ou des choses comme ça. Il est temps de donner la parole à notre public. Est-ce que quelqu'un a une question sur l'interactivité? Je me déplace. Hop là. Bonjour, merci d'abord. En entendant parler de data et d'algorithme, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose à justement la quantité des choix possibles? Et vous parliez de structure en embranchement, je ne sais pas si ça peut, je m'y connais pas du tout, mais est-ce que ça peut apporter quelque chose de supplémentaire d'avoir une machine qui apprend l'utilisateur au lieu d'essayer de s'adapter à l'utilisateur après, j'ai envie de dire, après son expérience, enfin plutôt pendant son expérience? Alors oui, carrément. Moi, je sors d'un projet de 5 ans où on a travaillé sur des androïdes et sur l'intelligence artificielle. Donc je suis à fond, j'adore. Et clairement, oui, c'est l'avenir. C'est pas encore. On attend que Google sorte les premiers jeux vidéo. Mais j'ai hâte. Mais je pense que ça va être absolument hallucinant quand, quand il va y avoir un Disco Elysium ou un Baldur's Gate qui, en fonction de... même ton comportement, ta manière de te tenir, parce que ça va être filmé, on est vers ça, on se dirige vers ça. Dans 30 ans, on sera filmé en train de jouer. En fonction de tes réactions, comment les choix que tu fais, on va tous avoir une histoire différente. Mais vraiment tous, c'est-à-dire dans cette pièce, moi je pourrais vous raconter des trucs, des scènes entières que j'aurais vues et que personne d'autre n'aurait vues, et vous aussi. Et je pense que ça, c'est dans 15-20 ans, on est dessus, on a ça. Et c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre, en plus de ça, d'avoir des personnages uniques et des immersions uniques. J'en suis persuadé. Moi. Alors j'ai hâte de voir ça également. Après, je me pose la question de est-ce que ça va fonctionner. C'est-à-dire, est-ce qu'un scénario ou une scène écrite par une IA, par un algorithme, est-ce que ça peut être aussi fort, aussi bouleversant que quand c'est écrit par un auteur, quoi. Je sais pas. On verra bien. Par contre, alors. Tu parlais d'IA, tu as aussi mentionné algorithme. Par contre, et ça on l'a déjà, encore une fois, le procédural, ça peut également s'appliquer à l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux décrire une planète avec un algorithme. Et puis à chaque fois que tu lanceras ton algorithme, tu auras une planète différente, avec un écosystème différent, une description différente, des couleurs différentes, ainsi de suite. Et donc ça, placer ça dans un jeu vidéo, c'est vachement intéressant parce que ça te permet de générer du contexte, du décor, entre guillemets, quoi, sans avoir à l'écrire, quoi.
Et là, on revient dans le procédural avec deux parties qui ne sont jamais identiques. Et voilà, ça par contre, je trouve ça, ça c'est actuel, on l'a déjà dans certains jeux. Et c'est quelque chose qui est applicable aujourd'hui et qui est plus intéressant, je pense, que l'IA, même si je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Sur l'IA, alors heureusement aujourd'hui ça n'existe pas encore, désolé, je vais choquer, j'ai moi-même de très bons amis IA. Mais le petit souci que ça peut apporter, alors justement pour reprendre, tu citais un petit peu No Man's Sky, vraiment ça faisait que en se déplaçant, on découvrait de nouvelles planètes et la plupart des joueurs qui arrivaient sur une planète avaient de grandes chances qu'aucun autre joueur ne soit allé sur cette planète également. Il y en a certains qui ont été très mal à l'aise avec ce phénomène parce qu'ils ont ressenti quelque chose que nous les humains on n'a pas l'habitude de ressentir, c'est le vide. Waouh, c'est grand en fait, on peut faire plein de choses, il y a beaucoup trop de liberté comme moi, et là je citerai George Orwell, c'est cool de pas avoir le choix. Alors je voulais juste rebondir sur génération procédurale et IA. Il y a quelque chose que, en fait, l'IA, ça reste en fait le résultat d'une programmation. Donc en fait, l'IA, c'est pas une machine qu'on laisse tourner sans lui donner aucun ordre et qui émerge une espèce d'intelligence artificielle qui fera des choses. En fait, ça reste, j'imagine, quand on sera en tant que créateur de jeux vidéo et tout ça, on va vouloir lui donner une intention, on va vouloir lui donner même peut-être un but à atteindre et après, ça va être à elle de connecter les points pour amener le joueur vers ce but-là. Ce qui n'est pas forcément le cas du procédural. Où le procédural, c'est plus, bah, je rentre des trucs et ça, voilà. Donc, pour moi, la distinction que tu fais entre les deux est pas totalement pertinente, parce qu'en fait, le créateur qui sera derrière l'IA, il aura mis une intention, il aura mis une volonté, et une teinte, et une coloration. Alors, je suis complètement en désaccord avec toi. Mais ça commence. Il y a un rime, je crois, dans les... On a de la boue aussi. Super. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on n'a toujours pas vu la première IA, tu vois. C'est-à-dire qu'on a du machine learning, on a du deep learning, on sait en faire des choses, on sait exploiter le big data. Mais une intelligence artificielle, moi, j'en ai jamais rencontré, quoi. Ton assistant Google, il n'est pas intelligent, quoi. Il fait de la reconnaissance vocale. On a quoi, c'est... Alexa. Ouais, Alexa, ok. Non, je pensais plutôt à l'IA qui a été développée, donc c'est DeepMind, je crois, non Deep Loop, non, on confond deux trucs. C'est celle qu'on a pervertie en moins de 15 minutes. Ah oui, alors il y a celle-là aussi, ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. Ouais, ça, c'était une tentative de Microsoft, je crois. Ouais. Et l'IA, au bout de 24 heures, elle était devenue néo-nazie. Oui, c'est ça. Mais parce qu'ils l'ont mis sur Twitter. Moins de 24 heures. Oui, ils l'ont mis sur Twitter. Mais est-ce que les tweetos sont... Ouais, sur Instagram, ouais. Instagram, ouais. Ouais, c'est pipé, voilà. C'était difficile de résister, je pense. Pour, tu peux pas, Internet, non. Mais je pense... à l'IA qui est capable maintenant de battre les humains en Go. Donc les échecs, c'est super complexe, mais bon, ça, on sait faire. Kasparov, il a vu que voilà, c'est bon, il était dépassé. Ça fait déjà un petit paquet d'années. Le Go, c'est une autre paire de manches. Hein. Le Go, c'était vachement plus compliqué. Et là, ça y est, on bat les meilleurs joueurs mondiaux au Go, avec donc une IA, entre guillemets. Et tu vois, tu disais, le mec qui est derrière, qui a programmé, lui, il a mis un petit peu de lui-même dans la programmation, et donc quelque part, il y a un petit peu de partie de... Il y a un auteur derrière, et en fait, non, quoi, parce qu'en fait, le deep learning, le machine learning, c'est-à-dire qu'on lui a donné des milliers de parties pro à manger, à analyser, ensuite on l'a fait jouer contre un clone, entre guillemets, d'elle-même, ainsi de suite, pendant des semaines et des semaines, et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on est incapable de savoir pourquoi elle joue ce coup. D'ailleurs, il y a un petit reportage sur Netflix sur cette DeepMind, j'aimerais bien qu'on retrouve le nom, je ne sais plus si c'est ça ou pas. Et donc, quand ils l'ont mise en face du meilleur joueur mondial, qui joue au Go depuis qu'elle a 5 ans, donc c'est un Coréen, c'est juste intellectuellement, c'est un monstre, quoi. Et bref, et là, y a, je crois que c'est la deuxième partie, donc c'est une partie en 5 ou 6 manches, je ne sais plus. La deuxième partie, en fait, l'IA a joué un coup, 36e coup, et en fait, c'était un coup qui venait de l'espace, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les analystes de Go, tous les joueurs de Go, ils ont dit « Ok, c'est une erreur. On ne comprend pas. Pourquoi elle joue ça ?» Et en fait, c'est un coup qui... Alors là, je te rejoins un peu sur le côté intelligent, c'est comme si, voilà, on jouait contre un extraterrestre, quoi. Parce qu'en fait, personne ne réfléchit comme ça sur Terre. Et ça fait un paquet d'années qu'on joue au Go, tu vois.
Et du coup, personne n'a compris. Elia a défoncé le coréen sans aucun problème. Donc, ouais, c'est intéressant. Après, ouais, l'intelligence artificielle, je sais pas. Tu n'es pas le seul à le penser, hein, parce qu'on en discutait avec d'autres personnes. Stephen Hawking en parlait aussi. AlphaGo, ok, merci. Stephen Hawking pensait la même chose. C'est-à-dire, pour en avoir parlé tout, sur le repas du midi, effectivement, lui, il est, avant de décéder, il pensait que si on arrivait à créer l'IA, ce serait trop tard. C'est-à-dire qu'elle ne peut que nous dépasser. Stephen Hawking, il a pompé pas mal d'idées sur moi. Et je vous recommande les conférences Endolex sur un festival qui ont eu lieu il y a 2 ans ici, au 106, et qui parlaient des intelligences, justement. La stratégie de faire, il y a un jeu. Pour rebondir à ce clash dans l'Octogone, non, la quête après AlphaGo, c'était StarCraft. Voilà, ouais. Qui, où il voulait résoudre et devenir le meilleur joueur du monde à StarCraft parce que c'est du temps réel et c'est tout ça. Et en fait, le truc, c'était ils ont réussi à être le meilleur du monde, mais avec des conditions qui étaient ils voient toute la carte et pas juste l'écran et ainsi de suite. Et puis après, ils ont commencé à mettre des conditions pour que ce soit de plus en plus, pour que ce soit dans les mêmes cadres que le joueur. Et donc, elles pouvaient voir que l'écran et ainsi de suite. Donc, ce qui montre qu'en fait, il y a autant d'intelligence artificielle qu'il y a de conditions et qu'il y a de garde-fous qu'on vient lui mettre et donc d'orientation qu'on vient lui poser. Donc pour moi, il n'y a pas qu'une seule intelligence artificielle absolue. Et donc après, c'est comme dans un sandbox, où on va mettre des choses, on dit bah, ça tu ne le fais pas, tu ne vas, je t'interdis, comme les lois d'Asimov, enfin, ainsi de suite, je vais t'interdire d'être discriminant envers les communautés, voilà, ou des choses comme ça. Donc pour moi, tout ça, ça reste de la création. Et parce que même si on laisse émerger quelque chose du chaos, on l'aura laissé émerger selon des contraintes qui vont créer quelque chose de spécial ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne font pas appel à une intelligence qui nous gouvernerait tous? C'était une question à propos de tout ce qui est casque à réalité virtuelle. Ça se démocratise de plus en plus, mais j'ai pas encore l'impression que ça soit encore très. J'ai pas l'impression que ça marche très très bien encore. Mais ma question c'était justement, est-ce que vous pensez que dans vos projets de jeux interactifs, est-ce que les casques à réalité augmentée virtuelle auront un rôle à jouer? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui existent? Peut-être, je suis pas au courant. Et voilà. Alors. En fait, le problème de la VR, c'est que c'est sorti beaucoup trop tôt, je pense. C'était encore des prototypes, les jeux, entre guillemets, étaient des essais de laboratoire qui ont été vendus, en fait, hein, tout simplement. C'était des petits jeux. Et il y a eu un effet pétard mouillé quand c'est sorti. Alors maintenant, il y a 2-3 trucs assez dingues en VR. Moi, je suis assez friand. Il y a un truc, l'Oculus Quest, qui a plus de câbles, c'est léger. Il n'y a plus besoin d'ordinateur, l'ordinateur c'est directement ton casque. Et il y a des expériences, alors sans faire de la pub, il y a une expérience de Star Wars, de Darth Vader qui est absolument dingue. Même si on n'aime pas Star Wars, c'est vraiment à faire. Et il y a de la recherche à l'heure actuelle, on a découvert par exemple un truc tout bête, c'est que l'expérience est beaucoup plus intéressante quand c'est pas un FPS, donc c'est-à-dire quand c'est pas une vue à la première personne, ce qui est absolument paradoxal en fait. L'expérience est beaucoup plus intéressante lorsqu'on contrôle un personnage que l'on voit avec un casque VR, ce qui pour moi est absurde, et je l'ai testé, et en fait c'est vrai parce que on a l'impression d'être littéralement plongé dans un univers avec le personnage de la fiction qu'on voit. Donc, et oui, c'est un nouvel outil, on en parlait juste avant la conférence. Imaginez, vous jouez un personnage dans un bar, il y a quelqu'un qui vient vous parler et vous êtes il est en train de vous parler et puis d'un seul coup en fait vous regardez comment elle est habillée ou il est habillé et vous regardez et en fait la personne fait waouh, wow, je suis là-haut et là tu fais ah oh, c'est dingue parce qu'en fait en fonction de là où je regarde l'interaction et donc la narration va bouger, c'est-à-dire qu'on n'a pas un choix conscient qui est regarder ses habits ou regarder ses yeux, c'est littéralement nous avec nos mouvements qui allons raconter une histoire. Donc on ne va pas bouleverser les narrations, par contre, on a des nouveaux outils pour raconter des nouvelles histoires, je pense, avec la VR. Et il y a l'AR aussi, où on peut en parler pendant des heures, la réalité augmentée, c'est super excitant. Voilà. Sur la découverte historique, en général, pour rester large, la VR peut faire des sacrés bons en termes de médiation. Lorsque on a la possibilité de voir des lieux qui ont
qui ont totalement disparu, qu'on ne pensait pas voir un jour, quand on se retrouve devant Petra ou dans la pyramide de Gizeh, on se dit « Waouh, ça je ne l'aurais jamais fait ». Bon, ça va, Petra et Gizeh, on peut y aller, mais tout le monde ne peut pas se permettre d'y aller non plus. Et ça fait vraiment un pont assez impressionnant. Alors après, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement, il y a des acteurs qui apparaissent sur ce sujet, qui font pour certains un boulot déjà admirable avec ce qu'ils ont. Mais déjà, ça casse pas encore trois pattes à un canard. Lorsque vraiment on va pouvoir interagir avec des personnes, lorsqu'on va pouvoir être sur un marché médiéval en 1422 et qu'on va pouvoir parler avec les gens, rien comprendre à leur accent, c'est absolument insupportable, ou lorsqu'on va pouvoir être dans la pièce où Obama a assisté en indirect au raid sur Ben Laden, quand on peut être dans l'un des sièges, regarder les gens, regarder les papiers, des choses comme ça, waouh, là ça va être une autre expérience de l'histoire. Alors je rebondis tout de suite dessus, ça commence à exister des expériences comme ça, c'est absolument dingue, j'en ai fait une. Ça s'appelle Alice, si vous avez la chance, donc c'était à Paris, maintenant ça va être à Amsterdam, c'est une expérience dans en casque VR où on arrive dans un espace qui est bon, le terrier, où vous allez vous déplacer donc, sur un espace qui fait entre 16 et 20 mètres carrés, je ne m'en rappelle plus, et il y a un acteur en motion capture, donc avec la combinaison, les petits marqueurs, et à travers le casque VR, il va incarner plusieurs personnages. Donc en fait, quand on arrive, moi ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Il y a un petit détail qui m'a bluffé, c'est on arrive, on a le lapin qui est devant, qui commence à parler avec toi. Et donc je comprends que c'est un acteur, donc déjà je fais « waouh, c'est super ». Et je lui fais « vas-y, tape-moi 5 ». Donc je suis avec un casque VR, je suis dans le terrier du lapin, il y a des cartes qui flottent autour. Enfin, c'est dingue, il y a une serrure, il y a une voix qui me parle. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui me tape dans les mains. Et je vois l'acteur, donc le lapin, qui me tape dans les mains. Donc d'un seul coup, c'est comme si vous étiez en train de jouer au jeu vidéo et vous dites à quelqu'un « tapote-moi l'épaule » et vous sentez quelqu'un vous tapoter sur l'épaule. Ça vous flingue le cerveau, hein, je vous le dis. Mais moi, j'ai fait « waouh !» Et puis ça continue, il y a deux, trois trucs. À un moment, il faut manger un champignon. Et ils avaient mis fait un vrai piédestal, un vrai props avec une meringue. Donc je me retrouve avec un truc dans les mains, je mange et c'est bluffant. Est-ce que le goût a changé? Mais oui, bien sûr, c'est parce qu'en plus c'est une espèce de mangue, donc il y a un côté poussiéreux. Et moi, c'est une expérience de dingue, et je me suis dit, c'est ça l'avenir, on est, alors en termes de coût, c'est absolument débile, parce qu'il y a un acteur, un régisseur, un metteur en scène, il y a quelqu'un qui vous accueille, il y a un casque VR, il y a littéralement 5 personnes pour un spectateur, donc je veux même pas savoir le coût que ça. Mais il y a des expériences, donc la même boîte qui est en train de faire un truc basé sur Ed Wood, qui est le réalisateur maudit d'Hollywood, avec 30 personnes, où c'est un peu le même délire, vous arrivez, vous tournez la dernière scène d'Ed Wood parce qu'il n'a plus un rond, il vous demande de faire le réalisateur, le cadreur et tout. Et une fois que c'est fini, il vous invite à la projection, il vous fait mettre un casque VR et vous rentrez dans la pièce. Et à partir de ce moment-là, tout devient interactif, alors ça l'était déjà avant, mais il faut littéralement quitter son fauteuil de spectateur et aller dans le film. Et ça, c'est des expériences qui sont en train de naître petit à petit, qui sont en train de flinguer tous les autres médias, parce que quand ça va se développer, ça va. Bah, moi, perso, je préfère aller. De quoi, pardon ? Mais non, mais exactement. Moi, un film, en ce moment, j'aime le consommer chez moi, plus au cinéma, pour toutes les conditions que tout le monde connaît, qui sont le cinéma se dégrade. Mais par contre, moi, tu me demandes de payer 10-15 euros pour avoir des expériences comme ça. Mais bien sûr, mais j'y vais au cinéma pour ça, dans des salles. Donc ça, c'est l'avenir, et j'en suis sûr. Mais par contre, là, on parle de longtemps. Ouais, si je peux rajouter un mot sur ce que tu as dit, pour répondre à ta question, Elian. La VR, la démocratisation, on n'y est pas encore, hein, clairement, je pense pas non plus, pour des termes évitant le coût, et puis il faut de la place parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Et puis il y a aussi les problématiques de nausées que ça peut engendrer. Voilà. Donc tout le monde ne supporte pas la VR déjà. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je pense pas qu'on va encore voir ça arriver prochainement. Par contre, ouais, clairement, ça se développe, mais donc c'est vraiment des expériences one-shot, quoi, un petit peu à la façon des escape games. Ça, ouais, je pense que ça a de l'avenir, clairement. Et moi, j'en ai fait un là, qui est Rue Grasse-Lorraine, hein, en escape game en VR, qui est vraiment chouette. On est dans un vaisseau spatial et ça, c'est très bien foutu.
On a des capteurs au niveau des poignets et des chevilles, quoi, et des pieds, quoi. Et donc on se voit entièrement dans une combinaison spatiale, ainsi de suite. Et puis classique, une pièce qui est montée sur verre hydraulique. Donc on est dans le monde virtuel, on prend un ascenseur, on a l'impression de monter. Ce qui fait que dans 20 mètres carrés, finalement, on peut avoir plein de décors différents, quoi. Donc ça fonctionne très très bien. Mais ouais, je vois pas trop ça arriver dans les foyers vraiment, quoi. Par contre, ouais, la réalité augmentée, là je pense qu'il y a déjà des applications aujourd'hui qui peuvent être super intéressantes, notamment au niveau du tourisme. Comme tu disais, le fait de pouvoir regarder à travers son téléphone et voir le Rouen d'il y a 50 ans, 300 ans, ainsi de suite, ouais, ça c'est vachement cool. Et pour rebondir un petit peu à l'expérience que tu citais sur l'AVR et l'escape game, j'ai pu tester à Montpellier, je crois que maintenant ils ont aussi un studio à Paris, où c'est le principe de l'AVR mais remis à un ensemble de groupes. Donc c'est on rentre dans un labyrinthe, dans un sous-marin à la Jules Verne un petit peu, c'est une mission à la Jules Verne, donc en fait tous les hublots sont des écrans, donc ça rejoint un petit peu l'AVR, et c'est vraiment les actions des joueurs dans ce lieu qui est fixé. On est dans le sous-marin, on a les bruits de l'eau, on a peut-être tout ça, et toutes les actions sont reproduites. Donc nous on manipule les manivelles, il y a un joueur qui joue le capitaine, etc. Et l'AVR, et ce sont les écrans autour du sous-marin, et on est vraiment immergé, on a vraiment l'impression d'être sous l'eau, avec pareil, les sensations de pression selon si on monte ou descend le sous-marin, etc. Et c'est vraiment très bien fait, remis dans un espace assez clos au final, et ça rejoint une expérience de VR, sauf que là on n'a pas de casque sur nous, ça rejoint l'expérience simplement parce que tout ce qui est vitré sont des écrans. Justement, par rapport à tout ça, moi je crois pas trop en la VR, et je crois beaucoup en l'air, la réalité augmentée, parce que pour plein de choses, déjà comme tu l'as dit, un smartphone on en a tous un, et maintenant tous les smartphones qu'on a à peu près peuvent faire de la réalité augmentée, donc ça déjà il n'y a pas de coût par rapport à ça. Ça commence. Ça va venir. C'était l'iPhone 6 ou un truc comme ça, ouais. Enfin, qui faisait l'air. Mais voilà, et surtout, je trouve dans la VR, il y a quelque chose de très cloisonnant et on est quand même coupé du reste. Et la majeure partie des expériences dont on a parlé peuvent très bien se faire en AR avec des lunettes, imaginons juste, mais des lunettes transparentes qui donnent quand même l'impression de voir le monde autour de nous, qui pourraient remplacer en direct quelqu'un par un personnage aussi. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que la VR, c'était un chaînon qui devrait nous conduire à l'AR et qui a été sorti comme un produit en tant que tel parce qu'on s'est dit, tiens, il y a un marché à prendre, il y a un truc comme ça, mais que c'est un petit peu, il y a peut-être 5% de choses qui sont possibles à faire que en VR, mais que malgré tout, ça s'accompagne de plein de soucis. Qui vont faire que je pense, quand l'AR va sortir, et va sortir très fort, ça risque de pousser un peu ça au rang d'anecdote. L'AR sur smartphone, alors oui, ça existe, mais c'est encore très très léger, ne serait-ce que technologiquement. Il faut vraiment un smartphone très haut de gamme pour commencer à avoir des expériences en AR pas trop mal. Après, ça s'est beaucoup démocratisé avec Snapchat, quand on pouvait sur une table se voir en petit bonhomme sur la table qui danse pour raconter des histoires, c'est encore assez léger. Donc aujourd'hui, pour de la découverte ou pour raconter des histoires, le format photo 360 est encore parfaitement suffisant. Là, on est en train de travailler avec l'association Rouen Virtuel qui travaille en fait à reconstituer des quartiers détruits de Rouen pendant la guerre. Et qui les reconstruit sous forme d'uchronie. Donc, c'est-à-dire qu'on les voit en 2021 comme s'ils n'avaient encore jamais été détruits. Des bâtiments vraiment d'époque avec un pan de bois absolument fabuleux avec un kebab dedans. On voit vraiment des choses super intéressantes avec ça. Et nous, on s'est vraiment posé la question, alors VR, AR, comment on fait, comment ça se passe? Et en fin de compte, on est resté sur Photo 360 parce que c'est ce que les gens savent le mieux utiliser. Ça tourne sur tous les portables. Et sur une photo 360 ou vidéo 360, on peut avoir des personnages, on peut avoir d'interaction. C'est des choses qui sont déjà super sympas et ça mime l'AR et l'AR. Comme vous le voyez, on a beaucoup dérivé, on a parlé de plein de choses différentes, mais c'est assez marrant parce que les narrations interactives, c'est littéralement un sujet extrêmement vaste. Et on peut autant parler de visite dans un musée. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, si vous allez à Avignon, vous pouvez littéralement visiter
la cité avec une tablette où vous voyez la vie au Moyen-Âge, c'est dingue, une espèce de caméra virtuelle. Donc on peut, ça parle autant de ça, la narration interactive, qu'un jeu vidéo ou qu'un jeu de rôle ou qu'une série interactive. C'est super large. Maintenant, la vraie question qu'on, ben moi je me pose quand on parle de VR et d'AR, c'est est-ce que c'est pas tout ça des outils qui vont juste encore resservir à raconter des histoires? Alors nous, il y a un terme que j'ai vu apparaître qui est ce qu'on appelle les XR. Donc XR, c'est AR, VR, tout ce qui va pouvoir... tous ces termes mélangés. Parce que je ne sais pas si l'AR va flinguer la VR. Parce que la VR, il y a quand même un côté où je me coupe du monde. C'est comme mettre un casque. Pourquoi mettre un casque quand on est dans... Alors, à part pour ne pas déranger son voisin, mais pourquoi... Moi, je mets un casque quand je joue aux jeux vidéo parce que j'ai envie de m'isoler, j'ai envie de me mettre dans cet univers. Alors que quand je regarde un film, non. Et pourtant, il y a les mêmes conditions. Ben, je pense que la VR, ça peut mettre ces conditions de... pas d'isolement, mais de bienvenue dans un nouveau monde, en fait. Un truc à la Ready Player One, quoi. Ouais, je parlais plus en termes de grand public. Parce qu'en fait, quand on est devant son ordinateur, avec la VR, on doit avoir le champ de vision obstrué, les oreilles, l'audition obstruée. C'est-à-dire que si on est en train de faire son truc et qu'il y a notre ami colocataire qui nous dit hey, viens bouffer, on l'entend pas, on le voit pas, voilà. Attendez qu'il y ait un bébé qui pleure à côté. Par contre, j'avais participé à une table ronde autour de l'AR et la VR à Paris il y a quelques mois, et eux, ils s'orientent beaucoup plus vers l'équivalent du cinéma, en fait. C'est-à-dire des salles de VR, c'est-à-dire qu'on vise plus du tout la VR dans le foyer. Par contre, on vise des salles de VR ou des escape games, tout à fait. Et en effet, je pense que ça peut rester, mais comme le cinéma 3D peut rester et disparaître dans un certain endroit et être anecdotique parfois, ou des fois pertinent, et voilà. Ou disparaître complètement des salons, hein, parce qu'effectivement, le cinéma en 3D, je crois qu'il y a aujourd'hui plus une seule télé qui diffuse des écrans 3D. C'est une technologie qui est arrivée, qui est repartie finalement, en tout cas pour le grand public. Il y a très peu aujourd'hui d'écrans 3D. Vous avez parlé des escape games, et c'est, je pense, une question qui va un peu aborder tout ça. Il y a un engouement, on ne peut pas se mentir, hein, sinon on n'aurait pas autant de salles d'escape games qui se sont créées. Donc, je pense qu'il y a un engouement profond pour la narration, au-delà du business, hein, parce que si elle se remplit, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de vivre des expériences, des histoires, de se raconter des histoires et d'avoir un rôle et une interaction avec ça. Est-ce que, on n'a pas utilisé ce mot-là depuis le début, mais le transmédia, parce que ça revenait sur l'AR, la VR, la BD, le texte, les écrits, etc. Est-ce que ça a été très tendance dans les années 2000, ça va être un site internet, et puis ça va être une appli, etc. Est-ce que quelque chose qui finalement va peut-être revenir, comme le jeu textuel finalement, qui était au balbutiant du jeu vidéo, puis qui est revenu. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous dites, tiens, ça, c'est un peu intéressant de se dire, et je sais qu'il y a des escape games avec des cartes qui mélangent une application, puis des vrais jeux de cartes, puis des discussions comme un jeu de rôle, avec une grande histoire à raconter. Alors, moi, je vais deux mots sur l'escape game. Évidemment, le jeu de société, le jeu de rôle et les escape games, là, ça fait 10 ans, ça revient, ça le vend en poupe, etc. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ça existait un peu déjà avant, les escape games, pas comme maintenant, parce que les gens ont ce besoin de se retrouver ensemble et à vivre une histoire ensemble. Il y a quelque chose quand même qui est très marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui commençait à expliquer que les escape games classiques avaient commencé à inspirer des jeux de société, donc Lock, Stories, etc., et des jeux vidéo. Et là, ça m'a commencé à me faire rire, parce qu'on me montrait un jeu vidéo qui était un escape game, et c'était littéralement un point and click, donc qui sont des jeux qui ont 25-30 ans, au moins 20 ans. Et donc moi j'étais là genre, mais Days of Tentacle, les Chevaliers de Baphomet, etc. Tous ces jeux, ils existaient, en fait on est dans un espèce de cercle. Et un escape game, c'est un point and click dans la réalité, en fait. Donc oui, maintenant c'est cool parce qu'on peut le faire ensemble, on est 5, si vous voulez, on va faire un escape game, c'est trop bien, c'est trop cool. Et aussi parce qu'on n'est pas des experts en jeux vidéo, même si ces jeux-là étaient des jeux qui étaient à destination du grand public, dans les escape games, on retrouve des personnes avec des âges différents, avec des centres d'intérêt différents, et puis des gens qui ne se seraient jamais dit « je vais me mettre devant un écran », et ils y vont parce qu'il y a interaction et parce que c'est réel.
Il y a une question de performance aussi qui me fait assez rire dans les escape games classiques où il faut sortir en moins d'une heure. Alors c'est un levier narratif, mais alors que quand on faisait un point and click, il n'y avait pas quelqu'un qui vous disait faut sortir en une heure. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus sélectif d'aller faire un escape game que faire un point and click. Et moi je préférais passer un point and click à ma mère que l'amener dans un escape game quoi. Ouais, voilà, oui, mais bien sûr, bien sûr. L'escape game, c'est des point and click en multi dans la réalité en fait. C'est ça, c'est ouais. Une différence même. Ouais, moi ce qui m'intéresse dans l'escape game, c'est le, bah, c'est un nouveau format, on va dire, un nouveau type d'expérience qui est plutôt chouette. C'est le côté collaboratif qui est rigolo quoi. C'est, ouais. Et effectivement, après tu vis. Le temps d'une heure, tu t'échappes un peu, quoi. Tu vis une petite histoire, t'as un scénario, un truc, un temps limité, une petite tension, chacun prend un rôle, t'as ceux qui paniquent, t'as ceux qui essayent d'être un peu organisés, enfin ouais, non, c'est chouette, ouais, ça se développe, mais après je me rappelle plus toute ta question. Non, c'est-à-dire que ça s'est développé dans une salle de jeu, donc très réelle, avec des objets, mais il y a aussi des expériences de VR qui reprennent ce côté d'escape game, c'est-à-dire qu'il y a le transmédia, ça permet aussi de raconter des histoires différentes, et dans un escape game, on l'évoquait tout à l'heure, il y en a en VR, il y en a avec des écrans, il y en a avec des interactions avec le logiciel, etc. Est-ce que c'est cette manière de raconter des histoires-là, ce mythe des années 90-2000, on va poursuivre la narration sur d'autres supports, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous mettrez 2 copecs pour l'avenir? Non. Non, je pense pas. Honnêtement, excuse-moi, Star Wars, l'escape game. Enfin, je sais pas. Non, c'est-à-dire une poursuite de narration sur d'autres supports. Pour être en train de produire un projet en transmédia, donc à la fois papier et réalité augmentée, quand on va voir un producteur et qu'on lui dit « Tiens, je vais faire du transmédia », on te dit « Non, t'as 10 ans de retard, on a essayé, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. » Voilà. Donc en tout cas, l'état du marché était actuellement, c'est-à-dire que si on parle de transmédia, on se fait claquer la porte. Ça n'empêche pas d'en faire, mais et ça n'empêche pas que ça peut être pertinent. Et juste un petit truc sur la VR dans les escape games, je crois que c'est un truc, bon, ils essaient de populariser ça, ils essaient de le vendre au maximum, ça correspond à une demande économique, c'est-à-dire qu'un escape game c'est hyper coûteux et hyper long à faire, on peut le faire qu'une seule fois parce que voilà, alors qu'en fait si on a un casque VR, on peut faire 100 escape games dans la même boutique. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'on perd le côté un peu collaboratif, tous ensemble dans la même pièce, même si on voit les avatars des autres. On peut se demander l'intérêt de la VR dans l'escape game, même si c'est intéressant aussi. Non, actuellement, pour moi, le transmédia, alors chaque média, et je pense que tu l'évoqueras beaucoup mieux, a aussi sa narration qui lui est propre, donc on peut décliner sur différents formats, et l'histoire ne sera pas tout à fait la même, parce que le médium sera différent. Là, actuellement, les transmédias qu'on a, et pour moi, c'est plutôt un attachement à un univers où, si on rapprochait, on évoquait tout à l'heure The Witcher, j'ai l'expérience jeu vidéo, jeu Witcher, c'est un univers que j'aime, très bien, et ben je vais aller regarder en même temps une série Netflix, et je vais jouer au jeu de rôle, et pourquoi pas faire un escape game dans l'univers, ou un jeu de plateau avec figurines sur The Witcher. Mais au final, l'attachement, c'est l'univers de Witcher, c'est pas du tout la narration ou le média en lui-même. C'est pour le coup, c'est personnel, parce que cette histoire nous parle, et cet univers nous parle. Oui, c'est plus de la franchise que du transmédia. Mais le transmédia, c'est la notion de il y a un média et ses particularités qui nourrit un autre média et ses particularités, et c'est l'assemblage de ces deux trucs qui crée un troisième média et une troisième façon d'interagir avec la chose. C'est vrai que c'est un peu moins. Peut-être qu'avec l'AR, justement, on va revenir à ces choses-là, parce que l'AR, ça va permettre de mettre ensemble des choses qui ne mettaient pas trop ensemble à la base. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, et merci, c'était passionnant. Moi j'ai une question, un truc qui peut être intéressant qui n'a pas été encore trop évoqué, c'est la collaboration globale. Alors je pense par exemple à des choses comme Twitch Plays. Donc on est sur Twitch, il y a quelqu'un qui lance Dark Souls, et on a tous des commandes sur notre ordi, il y a des millions, milliers de gens qui appuient sur la même touche, et c'est la masse des gens qui ont décidé d'aller à gauche qui vont le faire. Donc, le jeu bug pendant 10 minutes, et à un moment on va à gauche, donc ça fait Pokémon, Dark Souls. Voilà, donc c'est des expériences, mais ils ont réussi à finir les jeux. Et il y a la notion d'intelligence collective qui est très intéressante. Et j'avais entendu des exemples d'une série SF, je ne me souviens plus du nom, où il y avait une partie série, et c'était aussi un jeu vidéo, où en fonction de ce qui se passait dans le jeu vidéo, la série SF qui passait à la télé, du coup, était
impacté. Et je pense qu'à travers Twitch, à travers des choses comme ça, il y a aussi une part de l'interaction qui est liée à comment... C'est ça que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit sur je fais une BD, à la fin je laisse choisir les gens, et il y a un espace de débat qui se crée. En fait, je trouve que là, il y a quelque chose, une interaction qui est assez nouvelle en fait, et qui est permise par Internet, clairement, et par le réseau, et par le fait qu'on puisse tous se connecter, qui, je pense, demande à être exploré, et c'est fait finalement ce que tu fais en BD avec quelque chose qui est très linéaire de base, plus linéaire que toutes les autres choses dont on a parlé à côté, où là, on arrive à créer ça. Et qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture à des nouveaux moyens de faire jouer tout le monde, en fait, aussi? Et je pense, pour finir, aux ARG, pour terminer, l'ARG qui est du Alternate Reality Game, où là, on a une partie dans un jeu et une partie dans la réalité. Et où, pour résoudre l'énigme, il faut que tu ailles chercher sur le net, etc. Et je pense à The Black Watchmen, qui était un jeu qui avait essayé de faire ça, avec des phases de ouf, où il y avait une personne en Europe qui était dirigée par 10 000 personnes, et lui se déplaçait en vrai, filmait des trucs, prenait des photos, et devait aller sur une vraie carte pour répondre à des gens qui étaient tous en ligne. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir là-dedans, ou est-ce que finalement c'est trop difficile à mettre en place? Voilà. Merci. Alors, moi le jeu que j'ai développé là, qui s'appelle Somewhere, c'est un peu de l'ARG. Il y a de l'ARG, c'est-à-dire que c'est un peu un polar, et tu dois aider le personnage principal à un peu mener l'enquête. Et donc, de temps en temps, il faut que tu ailles chercher des infos. Il faut que tu ailles chercher des infos sur Wikipédia, des vraies infos scientifiques sur un sujet donné. Il faut que tu ailles l'aider à se diriger en Street View, parce qu'elle est pourchassée, elle est dans Berlin, en centre-ville. Il faut... Voilà, donc il y a un petit peu de ça, il y a des éléments comme ça. Les ARG, du coup, je pense que ça peut être intéressant dans ce genre d'objet, quoi, c'est-à-dire un peu, ça rejoint le réel, quoi, donc les jeux du réel, quoi. On a mentionné tout à l'heure, avant que ça commence, un jeu qui s'appelle Bury My Love, Enterre-moi mon amour, qui est un jeu textuel narratif sur mobile. Alors, peut-être un peu visual novel dans le sens où il y a au moins quelques images, pas comme dans Somewhere, mais où on suit le parcours d'une Syrienne qui s'enfuit de son pays pour survivre, et puis donc on est en lien avec elle, on communique. Voilà, donc c'est un vrai travail journalistique qui a été fait en amont pour écrire ce jeu, parce que bien sûr ils sont allés en Syrie, je crois, enfin, ils ont discuté avec des réfugiés, ils se sont renseignés pour savoir quelle avait été finalement leur vie, quoi, quand ils ont voulu s'enfuir, comment est la vie là-bas, et ainsi de suite. Donc ouais, ça c'est super intéressant. Du coup, tu mets une narration, même si ça peut être là ce qu'on suit dans Enterrement mon amour, c'est fictif. C'est-à-dire que c'est plein de morceaux d'histoire, de gens différents, de sirènes différents, qu'on a mis dans un même objet pour avoir des branchements narratifs, ainsi de suite, mais c'est quand même des choses qui ont été vécues, même si c'est pas forcément que par la même personne. Donc ça, pour sensibiliser le public à des sujets donnés, ou pour leur apprendre des choses, pour, leur donner un point d'entrée sur un sujet donné, l'ARG, et puis ce genre de choses-là, ouais, c'est intéressant. Pour la partie participative et à quel point on fait rentrer le lecteur dans l'histoire, moi j'y crois à balle, je trouve ça fascinant et j'essaie de pousser toujours plus loin, jusqu'à des fois des sorties de route. Là récemment, je m'étais posé la question comment on fait pour que chaque lecteur soit un personnage de la BD. Et du coup, j'avais lancé une BD post-apocalyptique où tout le monde se réunissait et on devait partir de Toulouse pour aller à Lyon pour se mettre dans un truc. Et en fait, à chaque fois, je sortais une BD et dès que l'épisode était sorti, tous ceux qui voulaient, ils pouvaient rejoindre le groupe et on faisait un grand jeu de rôle de tous les survivants qui incarnaient chacun un personnage. Et en fait, c'était ce qu'ils faisaient dans ce jeu de rôle qui permettait d'avoir assez de vivres pour aller à la semaine d'après. J'ai fait un porno au bout de 3 semaines à gérer ça tout seul. Je pouvais pas, mais oui, c'est... Donc, voilà, après, comment on finance ça et tout ça. Mais tout ça, c'est passionnant parce qu'en fait, les 3 semaines qu'on a vécu à faire ça, c'était dingue. Et c'était le meilleur jeu de rôle de ma vie parce qu'il y avait 400 personnes qui se répartissaient chacun en une conversation pour aller fouiller un machin et partir dans un truc. Donc ouais, j'y crois à fond. Je trouve que c'est totalement en lien avec les réseaux sociaux et avec ce qui peut s'y passer. Et voilà. Et quand j'ai fait de la police investigation, donc quand il y avait cette notion de choix,
pourquoi je suis venu à la notion de choix, c'est parce que je me suis dit, bon, je veux publier un truc sur Facebook. Facebook, c'est quoi ? C'est l'interactivité, c'est la participativité et c'est le social, en fait. Enfin, c'est les connexions sociales. Donc, il faut créer des commentaires, il faut créer des débats et tout ça. Donc, ouais, j'y crois à fond. Et ça, ça existe aussi un petit peu déjà dans le milieu du jeu de rôle, donc sur Twitch où il y a le même, sur d'autres médias, sur d'autres réseaux qui sont faits, où c'est des actual plays, donc c'est là des parties de jeu de rôle filmées, mais à un moment, le maître de jeu va laisser la liberté d'une participation des gens qui regardent pour une quelconque action. Alors ça peut être une action liée au personnage ou à l'histoire elle-même, mais ça peut être très bien aussi. Les joueurs vont recevoir un diplomate, vont commencer à faire un discours avec eux, et ça va être est-ce que les joueurs sont convaincants, oui, non, est-ce que vous êtes convaincus ? Et c'est la participation des joueurs qui vont dire ben, est-ce que le personnage non-joueur en l'occurrence, va être convaincu ou pas ? Et c'est cette action, cette participation qui peut se faire, et ça, ça c'est quelque chose qui arrive aussi de plus en plus au milieu du jeu de rôle et des actual play, donc des parties de jeu de rôle finies. Ouais, j'ai vu ça, donc on en parlait aux États-Unis où il y a littéralement un maître de jeu qui gère le chat pour absorber les votes et pour faire que le maître de jeu principal modifie l'histoire en live. Le jeu que tu cherchais qui était à la fois une série et un jeu, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Quantum ou Code Quantum ou un truc comme Quantum ça. Break. Quantum Break, c'est ça. C'était un projet meilleur. C'était Microsoft qui était derrière. C'est ça. Il y a eu un énorme chéquier pour pouvoir aller jusqu'au bout. Exactement, t'es très content. Mais ouais, voilà. Ça n'a pas eu un grand succès. Mais je rebondis sur un truc, c'est qu'il y a 15-20 ans, dans le jeu de rôle, il y avait eu aux États-Unis, et ils avaient tenté de faire une campagne de jeu sur tout le territoire américain, où ils avaient envoyé le premier module à toutes les conventions qui se faisaient. Donc, tu notais le résultat de ta partie, tu l'envoyais à l'éditeur. L'éditeur voulait sortir les nouveaux scénarios en fonction des choix de tout le territoire. Ça n'a pas bien marché, je crois même que ça s'est arrêté au bout de l'épisode 2 où il y a eu un truc comme ça, mais je sais que tous les vieux rôlistes m'en parlent à chaque fois à cette époque-là et tout. Mais ça a été repris même plus récemment, pour ceux qui suivent le genre, il y avait Pathfinder qui sort sa deuxième Absolument. Édition, mais Pathfinder, la première édition, il y a eu quelque chose qui s'est créé qui s'appelait la Pathfinder Society, où c'était ça, il y avait un scénario officiel qui sortait, il fallait renvoyer les choix qu'on avait pu avoir. Ouais, c'est dingue. Mais le jeu de rôle, encore une fois, essaye de reprendre ça, parce que, en gros, les rôlistes, ça fait 40 ans qu'ils racontent des histoires et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau jouet, il y a eu Internet, on a tout de suite, comment on va raconter des histoires à plus de monde, avec plus de monde. Et je pense que quand ça va se démocratiser, faudra encore checker le jeu de rôle, qu'est-ce qu'ils font, et voir comment ils racontent des histoires. Par contre, tu as abordé un truc qui est, à mes yeux, le cœur du problème. C'est quoi le budget ? Ça rapporte quoi ? Désolé, mais c'est la narration interactive, elle avance aussi à grand renfort financier. Quand Sony, il y a quelques années, a dit on va être à fond dans la narration pour la PlayStation 3 et surtout la PlayStation 4, c'est ce qui a fait naître Life is Strange, Détroit, tout un tas de projets dingues. Là, il y a un film interactif là, qui est sorti, Elena ou quelque chose comme ça, qui n'ai pas joué. Mais voilà, c'est l'argent, malheureusement, c'est le cœur du problème souvent. Parce que ça coûte de l'argent de faire plein de choix. Oui, mais même les jeux indépendants, effectivement, Sony a mis beaucoup d'argent sur la table, les journées, les flowers, etc., qui proposaient d'autres manières de raconter des histoires, ça a un coût. Il fallait laisser des gens aller jusqu'au bout de leur projet, même si c'était... ils le savaient à perte. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans ces narrations-là, c'est le jeu qui se met en place, qui est très proche du jeu entre le maître de jeu et le joueur, mais le jeu qui se met en place entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire que au début, quand j'ai sorti Elia, les joueurs, il y a eu des trolls. Il y a eu des mecs qui ont dit ouais, tu dis que c'est interactif, ben vas-y, on va dire qu'elle se coupe la main, quoi, tu vois, ou équivalent, quoi. Et du coup, c'est en tant qu'auteur, ok, ben je vais la buter, quoi. Tu vois, et mettre en. Et donc, en fait, t'es pas face à une narration qui est une narration linéaire où je veux qu'elle survive à la fin et que machin. En fait, si tu lui fais faire des conneries, ben elle va prendre les conséquences. Et du coup, il y a un jeu comme ça qui se met en place. Je sais que j'ai fait une bande dessinée sur Instagram où c'était une bande dessinée par jour. À la fin, les gens proposaient une solution. Je publiais toutes les solutions et on en tirait une au sort. Et souvent, les gens, ils proposaient des solutions, des choix.
les gens ils proposaient des réponses au choix pour être marrants, quoi. Et ce qui fait que quand c'était leur truc qui était tiré au sort, des fois ils me contactaient un message privé en disant « Putain, je suis désolé, je pensais pas que ça allait tirer au sort, machin et tout. » Le personnage, il se faisait buter parce que il affrontait un guerrier armé. Il y a beaucoup de tes persos qui ont pas de bras, pas de jambes. Là, tu vois, tu es l'auteur de Walking Dead. Non, mais c'est intéressant du coup d'avoir ce rapport-là de jeu ludique avec le lecteur. C'est-à-dire lui dire « Ok, tu veux me mettre dans mes retranchements ?» Ok, ben regarde comment je vais arriver à contourner la chose et ainsi de suite. Ce qui est un rapport différent du jeu vidéo où c'est tout scripté et où en fait c'est plutôt le créateur du jeu vidéo qui va faire en sorte par le level design, par la mise en place de tout ça, de t'amener à un choix. Là on est sur... Et donc ce qui était... Je suis désolé, je ne monopolise pas trop la parole, mais il y avait des... Dans Elia, au fur et à mesure de la saison, il y a eu des clans qui sont mis en place. Il y a des mecs qui voilà, ils voulaient que l'histoire aille dans un coin, ils se battaient, il y avait des groupes Facebook qui s'étaient faits, machin, pour essayer de convaincre, essayer de... dans les commentaires, il y en avait qui faisaient de la propagande, quoi. Donc, et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui me passionne, quoi, dans l'interactivité. Non, mais t'as raison. Alors, moi, je repense à un truc, c'est qu'on doit prévenir le spectateur que... Il tombera pas plus bas. Les choix, c'est pas pour rigoler. Non, je vous spoil, la première scène de D3, le jeu qu'on a sorti, le personnage principal peut mourir dans la première scène. Un des trois personnages. Et quand on a montré ça à l'éditeur, il y a des gens, les gens ils ont fait « What ?» Quoi ? Il y a vraiment... Mais c'est un warning qu'on voulait être clair pour tout le monde, c'est « Oui, les personnages peuvent mourir, c'est sérieux. Tu peux pas dire « Tiens, je vais le faire sauter dans le vide, on va voir ce qui se passe. » Ah, il saute vraiment dans le vide. Ah, d'accord. Mais du coup, il est mort. Et du coup, il est mort. Je veux pouvoir la suite. Mais c'est très important, quand on fait une œuvre interactive, d'expliquer assez rapidement aux joueurs c'est quoi l'interaction que tu vas avoir. Pour pas qu'ils se sentent frustrés vis-à-vis du monde qu'on propose, en fait. Mais dans l'idée, en poussant le plus loin possible, si, quand tu fais ça dans le jeu, le personnage il meurt, ton jeu il est fini, ta galette elle est à jeter parce que le personnage il est mort, c'est ton Tamagotchi, il faut racheter un. Évidemment que tu peux pas faire ça. Mais en fait, si ça existait comme ça et si tu faisais ça, ça induirait une narration différente aussi. Et ça induirait du coup une valeur des choix et ça induirait quelque chose de différent de dire ok, parce que en fait, moi j'ai joué à Life is Strange, j'ai commencé Life is Strange par Beyond the Storm parce que je n'avais pas compris dans quoi c'était, j'ai adoré et après j'ai fait le Life is Strange 1, en fait, le fait de pouvoir revenir en arrière dans les choix, c'est une expérience totalement différente. Et du coup, tu dis, ok, bon, certes, les choix ont une influence, mais en même temps, enfin, voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, sur Instagram, le premier personnage, il est mort au bout d'une semaine. Et la BD s'arrêtait là, tu vois. Après, on l'a repris plus tard sur un autre personnage, mais c'est vrai que donc, tout ça, c'est des nouvelles narrations et un nouveau rapport en tant que lecteur aussi, de pouvoir casser le jouet. Une dernière question avant qu'on clôture cette première conférence. Oui, non. Sinon, on va remercier, en tout cas chaleureusement, nos invités. Vous dire que vous pouvez les retrouver, je regarde, oui, en quasi-totalité, dans la grande salle juste là-bas, et que vous pourrez également revoir, je vous invite en tout cas à venir à l'autre conférence demain sur les architectures impossibles. Qui aura lieu ici à partir de 14h. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas.